Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Dark Souls 3. Et cette fois-ci, il est temps d'affronter Midir, fléau des ténèbres. Le gros dragon qui nous avait posé un peu de soucis, moi et Axe, sur le pont. Voilà la vidéo précédente. Et du coup, on va falloir l'affronter et l'achever. Voilà. Donc ce boss est considéré comme le boss le plus dur du jeu de Dark Souls 3. Rien que ça. Alors parce que il est grand, il est ultra tanky, il a peu de points faibles, à part juste qu'il est point faible à sa tête et à l'électricité. Il frappe fort, il a une longue portée, enfin tout ça quoi. Donc j'ai pris un costume un peu zarbi, je vous l'accorde, même si je pense que c'était pas suffisant. Mais j'ai pris une armure qui permet de tenir contre le feu, clairement. Tenir contre le feu, principalement un peu de ténèbres aussi, puisqu'il possède quelques capacités ténèbres. J'ai pris un bouclier anti-feu, même si bon, je suis pas sûr de tenir longtemps, enfin c'est mon point de vue. Donc pareil, absorption de feu, là j'ai mis plus de fioles d'astuces, là j'ai mis beaucoup de force. Et il y a dextérité légèrement, mais pour avoir plus d'invisibilité, mais je suis pas sûr que ça suffira. Donc bon, je pense que je vais quand même prendre la vie, parce que bon, la vie c'est toujours bon à prendre. Hein. Voilà. Donc je vais prendre ça. Sinon, ben... Sinon voilà. Bon, je perdrai que 23 âmes, ce qui est pas grand chose. Donc attendez-vous à voir plusieurs tentatives. Je pense au minimum une bonne dizaine de tentatives. Rien que ça. Donc, une dizaine voire même une vingtaine. Hein, parce que ça va être dur quoi. Voilà, donc je sais ce boss il est pas facile, donc n'a pas de donc il fallait s'y attendre. Donc moi je suis conscient que ce sera pas facile, ce sera difficile. Ne m'en veuillez pas si je vais faire plusieurs tentatives, surtout ce combat est relativement long. Donc attendez-vous à avoir beaucoup de problèmes. Voilà. Bon, si je me souviens bien... c'est par là... Ok. Faut que je me rappelle. Non, c'est pas ici. C'est à gauche. Ça commence bien. Voilà, donc ici, comme on a dit, ça va nous ramener à un objet qu'on a récupéré, un anneau, si je me souviens bien. Donc ici, je crois qu'il y a un mur invisible, voilà. Donc, un objet récupéré. Oh, c'est une lance fille en or, pourquoi pas. J'oublie hein. Donc juste un petit truc que j'aurais pas besoin, c'est ça, j'aurais pas besoin clairement, ça m'évitera des problèmes. Donc on peut avoir Cirrus, Shira pardon, je confonds tout en Shira et Cirrus, ok. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais faire en plusieurs tentatives. La première, c'est que je vais utiliser être. Je vais utiliser. Est-ce que je vais utiliser Sierra? Je vais plutôt y aller en solo. D'abord. Si ça passe pas, je passe avec Sierra. Et si ça passe pas, bah, j'optimiserai et puis je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, voilà. Ce sera un boss très compliqué, très difficile. Donc je vais pas rager parce que bon, même si le jeu, hein, j'en ai, il me gave.
Je sais que une fois qu'on a fini midi, il ne reste plus que deux boss et le parcours étant relativement courte. Je me dis qu'une fois c'est fait, une fois j'ai fini à midi, le reste ça durera quoi? Peut-être une vidéo. Non, plutôt deux vidéos parce que j'ai prévu de faire une vidéo spéciale boss contre le boss attitré. On me dirait c'est deux vidéos, c'est deux boss quoi. Voilà. Voilà. Donc c'était ma bonne chance et puis après il faut juste que j'apprenne bien les patterns de du boss et une fois c'est fait ça devrait bien se passer. Voilà. Bon bah à ben les mecs. Bonjour, milliard des ténèbres. Tiens. Ah si quand même. On va pas bloquer. J'arrive à être au corps fort. Ouais, mais laisse pas tranquille. Charge, il me bouffe et il m'envoie dans le corps. Je l'ai dit, c'est un bon temps. C'est mal, hein, je te dis.
anticiper ses charges. Pas mes top pour échouer. D'accord. 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 Bon bah je vous avais prévenu, hein, c'était dur. Bon après j'ai été vraiment maladroit. Clairement. Bon, ben je pense que je vais faire quelques changements. Donc, voilà, je serai un poids plus solide. Un peu plus solide. On va garder les gants comme ça. Bon, faut que je fasse attention. Normalement ça passe. Hein. Voilà. Donc ça je garde. Oh, ben, c'est bon en fait. Donc je vais tester avec Ceris, comme je vous ai dit. Et si ça passe pas, si c'est pas mieux, bah on verra. Donc je pense même que je vais pas trop parler parce que ce boss me demande la concentration. Donc il fait quand même partie des boss les plus durs, donc faut s'y attendre. Donc voilà. Voilà, je pense une fois que Sierra est là, tout ce que je vais faire c'est que je vais me concentrer entièrement et puis et quand je serai mort ou si je gagne, ben, je remettrai micro. Voilà. Allez. Je vous dis c'était ma bonne chance. Allez, à toutes.
Ça s'est pas mieux passé avec avec Sierra. Fallait un peu s'y attendre, hein, ça aurait été trop compliqué. Bon ben sur ce, ben ce que je vais faire, c'est que je vais faire couper la vidéo et puis je vous montrerai comme d'habitude la vidéo qui m'a fait gagner contre Midir. Voilà. Sur ce, ben à tout de suite, hein. À toute.
Eh ben, 30 tentatives pour le vaincre. Surtout, ça fait. J'ai enduré pendant longtemps en n'ayant plus de fioles d'astuces. Ah, déjà, je vais me reposer. Je vais me reposer. Et puis. Alors, je reprends le souffle parce que j'ai pris tellement cher. Donc voilà, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû changer d'équipement. Je me suis basé sur protection contre le feu. Protection contre le feu et dégâts physiques. Plus de force de frappe et une amélioration d'astuces. En utilisant la clé mort que j'ai dû convertir de la foudre en feu. Du feu en foudre, pardon. Vu qu'il est sensible à la foudre. J'ai dû garder ce bouclier, bon. Bouclier de la convoitise parce que c'est le seul qui peut me tenir physiquement, même si j'ai pratiquement pas utilisé, mais j'en ai utilisé quand même parfois. Donc voilà. C'était dur, mais maintenant on est tranquille. Voilà. Midir, enfermant le boss le plus dur du jeu. Donc pour le battre, il a fallu être très très discipliné, connaître toutes ses attaques, esquiver au bon moment et surtout être patient. Voilà. Donc il y a eu des patterns que je n'ai jamais vu auparavant. Donc là, je vais pas me plaindre. Donc voilà. Welcome home, Ashen One. Speak. 30 tentatives. Then to Hagen. Pour moi, monter d'un niveau, c'est pas du mal. Donc voilà. Je vais juste augmenter ma vie parce que bon, j'en ai besoin un peu. Voilà. Farewell, Ashen, may the flame. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais reprendre un peu mon souffle. Déjà, parce que c'était difficile. Sans clair, hein. Il était difficile. Donc là, notre arme. Il est où? Le truc de Midir. Allez, non, mince. Non. Poisson, danseuse, non. Âme de Midir de Katana. La femme filochée. Ouh, ça me plaît ça. 5000. Oh, intéressant. Je vais voir s'il y a autre chose. Un démon, arc de la mémoire. Bon, bah je pense on va juste. Do not be away. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. J'ai légèrement farmé un peu pour atteindre 500 000, récupérer l'arme. Ensuite, après, on va repartir récupérer la tablette et terminer la vidéo. Voilà, à tout de suite. Donc ce que j'ai dû faire, c'est juste récupérer l'arme. Ah non, c'est pas toi. Oh, je confonds tout le temps. J'avoue, je suis un peu. Mes bras sont encore tremblantes. est-ce que c'est toi, le diète? Ah, Brick, non. Ah, j'ai bien fait vérifier. Donc là j'ai mes mains encore tremblantes. Non. Âme de Midir, ok. Ah oui, 40 de force. Attends, c'est 42. Attendez, c'est 42. 40, si c'est la main. 40 en dextérité. Ah ouais, d'accord. Ah oui, pas mal, j'aime bien. Bon. On va reprendre juste la clé mort. La clé mort, c'est une arme de. J'apprécie. Hein. Longue portée, rapide, ce qu'il faut. Bon. Maintenant, il va falloir récupérer
va aller au rempart, on va aller speedrun. On va speedrun, on va récupérer la tablette à l'arrache, on va faire à l'arrache. Et une fois c'est fait, on se tire. Pas grave si je meurs. Pas grave si je meurs, mais on se tire. Cette zone, c'est un cauchemar, hein, surtout quand on a trois nids d'oiseaux, là, guerriers au nid d'oiseaux, qui sont ultra agressifs, donc... Donc j'ai pas trop envie de traîner. Hein. Bon, je vais courir. Tant pis, normalement, la malédiction, il va pas trop être impactant tant que je traîne pas. Tant que je ne traîne pas, il n'y aura pas de soucis. Tiens, j'ai juste préparé ça. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Ouais, c'est pour ceux qui nous bloquent en route. Hein. Pas grave si on en loupe, hein, mais je m'en fous, hein. Je veux juste récupérer la tablette. Excuse-moi mon gars, mais je suis pressé. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais abréger rapidement les phrases. Donc, faites pause. Hein. My most humble thanks, tis thanks to thee, the dragon, please. Now. My humblest that now, as the fire. Hop, sentir les cheveux avant que ces guerriers arrivent. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Phew. Bon. Ah, je suis heureux, hein. Là, je reprends mon souffle là, parce que c'était difficile. Ah, ce boss midien, il mérite d'être le boss le plus dur. Hein, oh, how... Il me manque au fait le numéro 3 des boss les plus durs et on aura fini. Voilà. Il me manque plus que ça. D'ailleurs, vu qu'il n'y a plus grand chose, hein, je peux me permettre d'acheter ça. Donc, hop. Ashen One, be sure. Donc, voilà, nous avons donc fini avec Midir, le fléau des ténèbres. On se retrouve après pour une nouvelle vidéo de Dark Souls, où cette fois-ci, on va affronter un autre boss. Et un PNJ, normalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me remets de mes émotions, de ce combat dantesque envers Midir, ce qui est vrai. Hein. 30 tentatives, 64, j'étais passé de 85 à 64, donc au moins une bonne vingtaine de tentatives, plus ce que j'ai fait sans, etc. Donc voilà. Donc en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve après pour une nouvelle vidéo de Dark Souls 3, DLC The Ring City, la cité enclavée. Et puis on se dit à la prochaine. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se dit à la prochaine. Salut.